Bonjour Sébastien, vous êtes le CEO de Mapster. On est ravis aujourd'hui avec Jérémy, mon collègue à New York, de pouvoir échanger avec vous dans le cadre de notre projet commun. Ce sont donc ces deux cartes interactives et collaboratives qui rassemblent des lieux français, des commerçants français sur une même carte. Et donc pour le consulat ici à Los Angeles, nous les avons rassemblés pour l'ensemble de la Californie du Sud, du Nevada du Sud, de l'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique. Et puis pour le consulat à New York, sur l'ensemble de New York, du New Jersey et du Connecticut. C'est vraiment une initiative très importante. Plus de 700 lieux ont été répertoriés dans les deux circonscriptions consulaires de Los Angeles et de New York. Des commerces, des bars, des restaurants, des cafés, des lieux de culture. Toujours des lieux français qui sont à la fois répertoriés pour la communauté française et les francophiles. Et Sébastien, je serais aussi heureux de t'entendre sur à la fois cette initiative, mais aussi sur Mapster en général. Bien sûr. Merci Jérémy, merci Julie. On est très très content de faire cette opération avec vous. Alors effectivement, Mapster, à la base, c'est une application, c'est un petit peu étrange, mais c'est une application qu'on a créée pour pousser les gens à passer moins de temps sur leur téléphone. C'est un peu bizarre, mais en gros, on veut utiliser le téléphone et une application sur le téléphone pour pousser les gens à explorer le monde réel grâce à des recommandations de confiance. Et ces recommandations, elles viennent finalement en trois niveaux. Le premier niveau, c'est de permettre de toutes ses propres adresses, de permettre de les retrouver très facilement, donc d'enregistrer et de retrouver ses propres adresses. Le deuxième niveau, évidemment, c'est ses amis, c'est de pouvoir retrouver très facilement les recommandations de ses amis parce qu'on les connaît, parce qu'on leur fait confiance. Et le troisième niveau, c'est les adresses recommandées par des magazines, par des institutions, par des influenceurs qui nous ressemblent et en qui on a confiance. Donc, c'est toujours cette notion de confiance qui nous rassemble. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu effectivement nous mettre au service des commerçants qui font notre bonheur de tous les jours, et notamment des commerçants américains, en demandant à la communauté américaine de signaler sur une carte tous ces lieux qu'il faut aider, tous ces lieux qu'ils aiment pour vraiment générer une vraie communauté de soutien autour de tous ces business. Et c'est vrai qu'on est très, très content de faire ça avec vous. Ah, Sébastien, j'ai été très impressionnée. J'ai vu la note de Mapster sur l'Apple Store. De mémoire, je crois que vous avez 4,8 étoiles et vous avez plus de 1300 commentaires, je crois. Alors, l'idée de la carte interactive et collaborative est excellente, mais de votre point de vue, quels sont les ingrédients de ce succès ? Oui, on a effectivement des notes assez incroyables. Même nous, on est toujours assez surpris de voir ça. Alors, on est à 1500 notes aux États-Unis et on est à plus de 30 000 notes de par le monde, et toujours avec une moyenne entre 4,8 et 4,9 sur 5. Et je crois qu'effectivement, on a cette notion déjà de service. On est une application qui rend service aux gens et qui n'est pas une application qui va juste leur prendre du temps à faire des choses un peu inutiles, on va dire. Et puis, à ce côté, on l'a fait pour les utilisateurs. Ce n'est pas une application qu'on a pensée pour faire du business, qu'on a pensée pour générer de la publicité ou générer de la data. C'est une application qu'on a faite pour eux, pour les utilisateurs, parce qu'en fait, toute l'équipe, elle est utilisatrice à la base, et je pense que les utilisateurs le ressentent. Et après, il y a une notion d'attachement, en fait, parce qu'ils nous donnent, on va dire, leur vie intime en nous donnant leurs adresses, en les mettant sur la carte. Et nous, on est très précautionneux en termes de vie privée. Et du coup, ça crée un espèce de lien de confiance très fort entre nos utilisateurs et nous. L'initiative de solidarité que nous avons lancée grâce à Mapster, que je remercie, c'est on ouvre en fait une carte qui n'est pas fermée, qui est ouverte à tout le monde pour avoir le plus de lieux référencés. Donc j'appelle vraiment tous les Français, tous les amoureux de la France qui habitent dans nos circonscriptions consulaires à mettre les lieux qui ne sont pas dans les cartes, car c'est collaboratif. Il faut que chacun puisse à la fois rajouter des lieux et ensuite consommer français. C'est l'objectif, c'est de soutenir nos commerçants. Voilà. Mapster est une start-up qui fait notre fierté. Est-ce que tu as déjà des bonnes relations avec les French Tech aux États-Unis, que ce soit à New York ou à Los Angeles? Bien sûr, bien sûr. Le réseau, que ce soit le réseau French Tech, que ce soit le réseau French Founders, tout cet univers qui gravite autour de la tech aux États-Unis est extrêmement accueillant. Et c'est vrai que pour nous, c'est une aide absolument précieuse parce que ça nous donne des contacts, ça nous permet d'avoir des introductions. Et en cette période un petit peu compliquée où nous, on aurait aimé venir de nous-mêmes aux États-Unis pour avoir cette prise de contact avec les commerçants, être en contact avec eux, bah c'est là où les réseaux, en fait, font leur force et nous montrent qu'en fait, ils sont là aussi pour créer ce lien qui nous manque. Et donc, effectivement, la French Tech
French Founders ou tous ces autres réseaux, et notamment le réseau des consulats et de l'ambassade, est extrêmement précieux pour nous. Je n'ai pas vu un seul utilisateur qui ne trouve pas géniale l'initiative et géniale la carte une fois qu'on a fait l'effort de la télécharger. Et ce n'est qu'un début, encore une fois. Consommons français, faisons briller la présence française qui est quand même en difficulté actuellement en raison de la crise du Covid. Donc Sébastien, merci beaucoup. Merci pour cette belle collaboration. Bon courage dans la stratégie d'importation de Mapster aux États-Unis et bonne vie à cette initiative sur la présence française aux États-Unis. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup Julie. Encore une fois, c'est avec une grande fierté qu'on aide tous ces commerçants et si on peut faire encore plus pour eux, on le fera. Merci beaucoup Sébastien. J'en profite pour remercier Jérémy aussi puisque c'était le premier à initier ce projet que nous avons suivi. Et je sais aussi que nos autres collègues dans les 8 consulats aux États-Unis ont envie de se lancer aussi dans cette carte. Et on a inspiré aussi d'autres consulats à travers le monde, et notamment au Brésil. Donc effectivement, le projet va se poursuivre. Exactement. On est au Canada, on est au Brésil, on est aux États-Unis et il faut que ça continue.